Je crois qu'on va faire un barbecue. Tenez-vous bien. Et salut, salut, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Spyro 2 Ripto's Rage. Et du coup, on va aller se faire Port de Brise. La dernière fois, on avait fait le circuit volant là. Et on n'avait pas trop galéré un petit peu quand même, mais ça va. Du coup, on va aller se faire Port de Brise. Et je voulais regarder aussi, ouais, si. Dans le carnet, vite fait. Ok, du coup je voulais regarder vite fait dans le carnet. Et ouais, les circuits métro, du coup je suis qu'à 50%. Il me manque une orbe, mais je sais pas comment les obtenir. Du coup je pense qu'on verra ça plus tard. Ok, alors voyons voir. Déjà on va commencer par là peut-être. Oh oh. Non. Tu te calmes? Ok. Eux, faut leur foncer dedans. Très bien. Ok, il y a des petites jarres cachées derrière là. C'est fourbe, hein. Toujours regarder derrière tout. Toi, tu te calmes. Voilà, ça en fait deux. Très bien. Est-ce qu'on peut grimper là-dessus? Oui, mais ça ne sert à rien. Du coup, on va aller là-bas en face. Et lui, il va nous parler. Qu'est-ce que t'as à me dire? Allô? Désolé pour tout ce cirque, Spyro. Nous sommes victimes d'une invasion de patapouf. D'abord, ils ont éteint le feu de nos chaudières. Et ensuite, ils ont arrêté notre navire. Si tu pouvais raviver les feux sous les chaudières, je suis sûr que tu pourrais aller jusqu'au navire. La vapeur des chaudières activera notre machinerie perfectionnée. Ok, d'accord. Très bien, monsieur. Du coup, il faudrait que je réactive le feu là-dessous. C'est cela? Il semblerait... Ah oui, et du coup là, j'ai de quoi remonter en haut. Nice! C'est pas mal, c'est pas mal. Alors du coup, on va aller par là. Et toi? Pourquoi je le sens mal, lui? Wow, tu te calmes. Ok, je pense que du coup, le gros bêta là-haut, enfin là-bas, il va falloir que je le carbonise au canon. Peu plus bas, bim. Ok. Est-ce que je peux je vois qu'il y a un tonneau là-bas. Est-ce que je pourrais défoncer le tonneau? Allez, please. J'ai l'impression que ça lui passe à travers. Ouais, ça lui passe à travers, donc ça doit pas être comme ça qu'on le défonce. Ok, très bien. C'est pas grave. Toi, tu te calmes. Merci. Ok. Du coup, ça, je le rallume. Et ça va m'avoir débloqué quelque chose. Je peux en récupérer aussi. Bon, j'en ai pas besoin. Ah, il y a un truc là aussi. Sauf que là, avec les canons... Non, j'y arriverai pas. Par contre, il y a le coffre au-dessus. Je peux peut-être réussir à l'avoir comme ça. Est-ce qu'on n'arriverait pas à avoir... Ah, je crois bien que je l'ai eu. Hein. Ok, on va aller voir. Ah non, je l'ai pas eu. Très bien. C'est pas grave. Ok, mais lui, j'arriverai pas à... ok, je pourrais pas l'avoir comme ça. Est-ce que je peux aller dans l'eau? Oui, il y a même des trucs sous l'eau, je pense. Voyons voir. Ouais, il y a des gemmes un peu partout. On va tout récupérer. Bah là, il n'y a plus rien. Ok, très bien. On va remonter, récupérer tout ça. Il y a un truc là. Ouais, il y a un truc là-haut. On va faire attention à la lave, mais du coup on peut
On doit pouvoir passer là. Ok, ça je rallume. Toi tu te calmes. Enfin, tu te calmes. Tu me laisses ça allumer. Toi aussi. Non mais. Tu me laisses ça allumer. Ok, du coup ça, ça a activé visiblement les hélices pour pouvoir faire avancer les bateaux. Ok, nice. Je vais juste aller voir là-bas si j'ai pas des trucs à récupérer aussi. Ok, on a quoi par là? Si on a un truc là, on a une orbe aussi. Les patapoufs ont dispersé ces mines métalliques partout dans le port. Si tu peux toutes les supprimer, je te donnerai l'orbe que j'ai pêché. Ok. Pas de soucis. Du coup, on va défoncer celle-là. Oh, j'étais pas loin. Allez. Bim. Bim. C'est bon, là, il n'y en a plus? Non. Par contre, il y a le coffre là-bas. C'est bon. Ok. Voilà, il n'y a plus rien visiblement. Par contre, il y a des trucs au-dessus. Comment je fais pour les récupérer? Il faut que je puisse accéder au-dessus. On verra peut-être plus par là. Ok, on va essayer de sauter par là. On va prendre le bateau en marche. Oups. Ok, c'est bon. Allez, vas-y. Tourner. C'est un petit manège. Ok, donc là on récupère ça, on récupère ça. Toi, toi, tu te calmes. La petite libellule, on la libère. Tac, tac. Ah ouais, il y a des trucs là-bas, c'est vrai. Du coup. Toi tu te calmes. Ok, donc là c'est bon. Ici. Ok, il me faut encore 14 et... il me faut 14 et demi. Je sais pas combien j'en ai, mais on va tarder à savoir. Il y a 11. Oui, une grosse catapulte là. 12, 13. Il m'en manque plus qu'un. Donc ça, on va le rallumer. Ok, j'ai un truc là-bas aussi. Ok. Ok, ça, ça active la catapulte. Il y a encore un ennemi là-bas. Ok, donc là, il faut que je saute là-dessus. Ok, nice. Ok, donc lui, c'est bon. Du coup, on a les 14. On va récupérer les gemmes qui manquent. Ah, ici. Ok. Là aussi, j'ai une petite gemme. Lui, il va falloir que je cours après, je sens. Toi, tu te calmes. Allez, là. Bim! Ok, on les a tous défoncés. Sur les ailes. Oh, j'ai un truc là-bas. Bon, on va aller là-bas. Du coup. Ou je vais pas aimer ça. Oh non, je vais pas aimer. What? Alors attends. Où est-ce que tu m'emmènes? Quelle chance que tu sois venu! Ma machine est cassée et les rouages dont j'ai besoin pour la réparer sont dispersés partout. Tu peux sauter sur ce chariot et les... récupérer pour moi, ok. Ah, c'est les fameux rouages qu'on voyait d'en haut. Ok, nice. Du coup, je récupère ça. Attention. Ok, il faut sauter au bon moment. Allez, à droite, au bon moment. Ah oui, d'accord, ok.
Ok, j'ai compris. On va faire le tour, ensuite on va aller de l'autre côté. Ok, ensuite, ici. Ok. Aïe. Un problème avec le chariot, hein? Bah, change de voie. Appuie sur le tir avec le canon. Ah, j'avais pas vu ça. Ok, très bien. On saute. Là, on change de voie. Non, j'ai pas de problème.
ça y est, j'ai eu toutes les... Excellent travail, Spiro. Je peux commencer à réparer mes machines. Prends ça. De toute façon, je n'ai plus de place dans ma boîte. Ok, merci. Il était vraiment long, celui-là. C'était vraiment dur. Il fallait déjà que je comprenne comment comment ça fonctionnait. Ok, du coup... Non. Je ne peux plus... Ah, suffit. J'ai un problème avec le... Ok, donc on peut plus aller par là, sachant qu'on l'a déjà fait. Ok, ça marche. Bon, on va redescendre dans ce cas. Ok, du coup on a ça à récupérer. On en a là-bas. Ah, là il y a encore des boules à défoncer. Visiblement pas ici. Je retournerai bien au début. On va passer par là. Je crois que j'ai loupé un truc. Il n'y a pas un truc là. Genre là-bas sur le côté. Eh bah si. Ah oui, on y retourne. Vraiment regarder partout quoi. Allez, cette fois on peut remonter. Ok. Il y en avait un autre à allumer de l'autre côté par hasard. Si. Hey. La machine refonctionne et du coup on arrive en haut. À mon avis, ça va être le retour maison. Merci d'avoir relancé notre navire, Spiro. Nous pouvons continuer notre contre-attaque sur Zephyr. Prends ce talisman en gage de notre gratitude. Non, c'est beau. Non. Ok, donc on a bien le retour maison, mais je n'ai pas encore tout. Qu'est-ce qui nous manque? On n'a qu'une seule orbe sur deux. Il faut qu'on défonce encore les petites boules piquantes, là. Où est-ce qu'elles seraient? Je vois qu'il y a des trucs là-bas en face. On n'est pas encore allé. Et de ce côté... de ce côté, il manquait des trucs aussi, je crois. Ouais, là-bas. Mais sinon, il y a là-bas en face... Ah mais non, là-haut, ouais, non. Là-haut, c'est les petites... ouais, mais il y a là-bas en face. Ok, on va retourner au début. Est-ce que je peux passer par là? Oui. Je t'ai parlé à toi? Je ne sais plus. Ouais, si, je lui ai parlé à lui. C'était au tout début. Ok. Je vais déjà récupérer ça. Et on va remonter. J'ai vu des petites orbes qui se baladaient à des endroits. Okay. On a là. Comment je fais pour y aller là-haut? Ok, par là. Par contre, il y a lui. Il faudrait que j'arrive à le défoncer. Comment je peux arriver à le défoncer d'ici? À mon avis, il faut que j'arrive à lui casser la tronche avec lui. Hein. Par-dessus. Alors, un poil plus haut. Yes! Merci, Spiro. Voici l'orbe que j'avais promis. Il vient du fond des océans.
Merci bien. Cool. Du coup, on va avoir toutes les orbes. Ouais, on a toutes les orbes. Par contre, je crois pas qu'on est... Ah si, on a le niveau terminé à 100%. Nice. Bah du coup, on va remonter... Par contre, on passe par là, je pense. Retour maison. C'est excellent avec leur petit chapeau de pompier là. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, en commentaire ou à vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Bye bye.